Il y a un tracteur à la ferme du pré charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur tracteur Tom elle peut compter. C'est tracteur Tom, 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 Tom. C'est tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Le soleil vient tout juste de se lever sur la ferme du Pré Charmant. Tom est le premier à se réveiller. Bonjour Filou. Allez, on se réveille maintenant. Veux-tu venir m'aider aujourd'hui? T'aider? Oui, je suis prêt. Par quoi je commence? Allez vite, dis-moi. Alors, on va d'abord aller vérifier que tous les animaux sont là. Chouette! J'ai du travail, j'ai du travail, youpi! Pas si vite, attends-moi! Un chat! Bonjour Minouche! Un, deux! Deux canards! Alors de retour, ça va? Comptez les moutons. Du calme, on a toute la journée pour ça. Il est encore très tôt. Tom adore travailler avec Filou. C'est un vrai petit clown. Bonjour tout le monde. Pourquoi tant d'agitation ce matin? Filou m'a aidé à compter tous les animaux. Ça y est, j'ai fini, Tom. Les moutons sont tous là. En effet, c'est ce que je vois. Quelqu'un a oublié de fermer la barrière. Désolé. Tom commence donc à rassembler tous les moutons. Mais juste au moment où les moutons allaient rentrer dans le champ, Filou referme la barrière. Filou! Désolé. J'arrive, on va tout régler. Oh, il faut que je m'arrête, j'ai la tête qui tourne. Mais où sont passés les moutons? Là, ils sont cachés, derrière l'arbre. Vous deux, je vais les bloquer. Vous êtes enfin retournés dans votre champ. Il était temps. Maintenant, on peut fermer la barrière. Et moi alors? Je n'ai pas le droit de rentrer? Oh, excuse-moi, Flore. Filou adore tellement travailler avec Tom qu'il veut participer à toutes les tâches. Pour commencer cette journée de dur labeur, Tom doit aider Flore à retirer un vieux tronc d'arbre. On va enlever ce vieil arbre car il est mort. C'est pour cela qu'il n'a plus de feuilles. C'est bon, Tom. Tu es prêt? Allez, tire! C'est du bon travail! Venez voir! Moi aussi j'ai enlevé un tronc d'arbre! Mais enfin, Filou, ce n'est pas un tronc d'arbre! Mais pourtant, il n'y a pas de feuilles non plus! Petit coquin, c'est l'un des poteaux de la nouvelle clôture de Max. J'ai encore fait une bêtise! Ce n'est pas grave, Tom va nous réparer ça. Oh! Ne t'énerve pas contre lui! Filou voulait juste nous aider. Je ne suis pas énervée, mais il faut que j'aille à la grange pour chercher ma pelle et ma remorque. Attends, je viens avec toi. Je travaille avec toi, tu as oublié.
Mais Tom est vraiment fâché. Il lui reste beaucoup de travail à faire et l'aide de Filou ne lui fait pas toujours gagner du temps. Tu attends que je te donne quelque chose à faire et surtout tu écoutes bien, compris? Reçu 5 sur 5. J'attends, j'écoute et je fais. Je rentre, on se retrouve à la ferme. Tom charge les rondins dans sa grosse remorque. Ainsi que dans la petite remorque de Filou. Bon, écoute-moi bien. Tu vas pouvoir ramener la remorque jusqu'à la ferme. Chouette! Encore du travail, youpi! Mais Filou, non! Prends celle-là! Au secours! Stop! Ça va trop vite! Il n'en rate pas une! Je te promets que j'ai écouté, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Tu m'as dit de ramener la remorque. Je ne parlais pas de cette remorque-là, mais de... Oh, il ne me reste plus qu'à tout recommencer. Mais j'essayais juste de t'aider. Je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Je travaillerai plus vite tout seul. Oh. Ainsi, Tom recharge seul tous les rondins dans la remorque. Une fois cette tâche accomplie, il retourne à la ferme pour les donner à Flore. Merci beaucoup, Tom. Il entasse seul les bottes de paille dans le champ. Il creuse un trou pour un nouvel arbre tout seul. Il transporte les derniers poteaux de la clôture de Max encore tout seul. Le travail se fait plus rapidement quand Filou ne l'aide pas, mais c'est beaucoup moins amusant. Soudain, Tom se demande où est passé son ami. Il ne l'a pas vu depuis ce matin. Il pense qu'il s'est montré un peu trop dur avec lui. Sais-tu où est Filou? Filou n'est pas dans la grange, ni dans la cour. Filou! Ouh! Mais où te caches-tu? Tom a une idée. Il s'empresse d'aller voir dans le champ des moutons. Mais Filou n'est pas là. As-tu vu Filou dans les parages, Paquita? Et toi, Caramel? Tu sais où est Filou? J'ai vraiment regardé dans les moindres recoins. Impossible de le trouver. Il est peut-être parti pour toujours. C'est quoi ça? Rien du tout. Laisse-moi tranquille. Mais je me suis inquiétée, tu sais. Tu avais laissé ta remorque. Tu n'avais qu'à la ramener puisque tout est plus simple quand je ne t'aide pas. Oh, Filou, j'en ai assez de faire toutes les tâches tout seul. Je préfère travailler avec toi, c'est plus drôle. Je ne voulais pas te blesser, tu es mon ami. Je suis désolée de m'être emportée. Vraiment? Moi aussi. Je m'excuse d'avoir renversé les rondins et je suis désolée d'avoir enlevé le poteau de la clôture et aussi d'avoir laissé la barrière ouverte. Mais moi, je voulais juste te donner un petit coup de main. Oui, je le sais. Et je veux que tu viennes m'aider. Tu es sûre? Comment? Tu vas me donner du travail? Peut-être. Tu vas commencer par ramener ta remorque à la grange. Je suis sûre qu'on te trouvera quelque chose à faire sur place. Ainsi, Tom et Filou se sont réconciliés et sont à nouveau des amis. En arrivant à la ferme, un travail surprise les attend. Quelqu'un a
encore oublié de refermer la barrière. Oups. Youpi, du travail, du travail. Cette fois-ci, j'assure, je vais leur bloquer le passage. Félicitations, quel beau travail d'équipe! Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer! Qui nous rend la vie bien plus douce? Voilà encore une belle journée à la ferme du Pré Charmant. Tom laboure beaucoup plus vite que d'habitude. Allez, fonce, Tom! Continue comme ça, on a presque fini! Allez, courage, Tom, tu vas y arriver! Je ne m'attendais pas à te voir revenir si vite. Moi non plus, Jules. Je n'avais jamais labouré aussi vite, moi. Mais pourquoi étais-tu si pressée? C'est le grand match aujourd'hui. Tu sais, le match de foot. Allez, les verts. Laura, tu veux bien m'emmener chez Max? On doit regarder le match ensemble et ça va bientôt commencer. Ça roule. Allez, à cheval, c'est parti. Flore est pressée de voir le match commencer. Mais Tom, lui, n'a plus qu'une envie. C'est de se reposer. Je suis épuisée. Pendant ce temps-là, les moutons disputent leur propre match de foot, la finale de la Coupe de la ferme. Et c'est Riff l'arbitre. C'est que ce bruit? Ah, je vois, le ballon est resté coincé. Pas de problème. Sur le ballon et je crois qu'il est crevé maintenant. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Je ne l'avais pas vu. Ils ne peuvent pas disputer la finale de la coupe sans ballon. Ne vous en faites pas, je vais vous trouver un autre ballon. C'est promis. Mais où tu vas trouver un autre ballon, Tom? Je ne sais pas, mais je trouverai. Mais Tom ne réussit pas à trouver de ballon. Peut-être que Flore en a un. Mais où est-elle? Ah oui, j'oubliais! Elle est chez Max. Elle est allée voir le match dans sa caravane. Oui, aucun but marqué encore, mais l'équipe des visiteurs domine largement. Je te dis que l'Olympique va gagner. Moi, je suis pour eux, je suis comme Max. Tu rêves, Greg. Les Verts vont leur mettre la pâtée. Tu n'as qu'à demander à Flore. Les Verts remontent le terrain. L'ailier centre, reprise de volée. Et but! Bien joué, Tom! But! But! 1-0, Flore. Ouais! L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et l'Olympique mène 1-0. Bonjour, Max. Pourrais-tu me prêter ton ballon de foot? Bien sûr, Tom. Avec plaisir. Je suis désolé, Tom. Je viens seulement de me souvenir. Je l'ai prêté aux moutons. Demande-le leur. Oh. Qu'est-ce qu'il lui prend? J'imagine qu'il est déçu que les Verts perdent, comme Laura ou Flore. Tom se demande bien où il pourrait trouver un nouveau ballon, car il faut absolument que les moutons puissent finir leur match. Mais
qu'est-ce que tu fais? Il faut que je trouve un ballon, Jules. Je l'ai promis au mouton. Mais tu as déjà fouillé partout dans la grange. Tu sais, il ne faut pas faire de promesses quand tu n'es pas sûr de pouvoir les tenir. Soudain, Tom a une idée. Jules, je n'ai peut-être pas besoin de trouver un ballon. On peut sans doute utiliser autre chose. Il y a beaucoup d'objets qui roulent. Il n'y a pas que les ballons. Et Tom apporte la poubelle au mouton pour qu'il s'en serve comme ballon. Mais la poubelle ne fait pas vraiment l'affaire. Elle est trop dure pour la tête des moutons. Mal, ça fait mal. Quel désordre dans la grange! On devrait tout ranger avant que Flore revienne. Attends. Mais tu viens de dire qu'il fallait qu'on range. Le rangement peut attendre. Je viens d'avoir une idée. Il me faudrait une botte de paille. Derrière la caravane, Greg fanfaronne encore à propos du score. 1-0, 1-0, l'Olympique va gagner. Oh là là, c'est sur un but magnifique que les Verts viennent d'égaliser. Un partout. Yo, but, youpi, yo, allez les Verts, allez les Verts. Le match n'est pas encore fini. Pendant ce temps, Jules fabrique un objet mystérieux à partir de la botte de paille. Une boule de paille! C'est un ballon, Filou. Un ballon tout rond en paille. Merci beaucoup, Jules. Mais le ballon en paille est trop fragile. Au premier coup de tête, il explose. Heureusement, Tom a une autre idée. Pourrais-tu gonfler ce vieux sac, Jules, comme un ballon? Bravo, Jules, c'est parfait! Hé, les moutons, voilà votre ballon! Tom s'apprête à les suivre, mais il se rend compte qu'il a un problème. Oh non, mon pneu est dégonflé. J'ai dû le transpercer. Tu as roulé sur la fourche, Tom. Je t'avais bien dit qu'on aurait dû ranger la grange. Pendant ce temps, l'équipe préférée de Flore est en train de gagner le match. Chut, ouais! Ouah! Youpi! Ouais! 2-1! 2-1! 2-1! 2-1! Ce n'est pas encore fini, Laura! Laissez le coup de sifflet final, le match est terminé! Les Verts ont gagné! C'était vraiment bien! Pour toi, peut-être? Ton équipe a gagné! Ça n'a pas d'importance qu'on gagne ou qu'on perde! Le foot, c'est toujours amusant! 2-1, 2-1! On a gagné! On a gagné! Les doigts dans le nez! On a gagné! 2-1! Laura, s'il te plaît, arrête d'asticoter Greg! Greg, arrête de la poursuivre, tu veux? Bonne chance pour la prochaine fois! Bonne chance pour la prochaine fois, Greg! T'en auras bien besoin! Allez, ne t'en fais pas, Greg. On gagne pas toujours. Allons nous promener. Pendant ce temps, les moutons essaient leur nouveau ballon. Mais il est beaucoup trop léger. On dirait que les moutons ont lâché une montgolfière. Ce n'est pas une montgolfière. C'est le nouveau ballon de foot des moutons. Je crois que Tom a besoin de toi. Ne t'en fais pas, Tom. Je répare ton pneu tout de suite. Je vais reboucher le trou de la chambre à air. Hé, une petite minute. Ce n'est pas un ballon, c'est mon pneu. Rendez-moi ça. Tom a besoin de son pneu. Mais je dois d'abord réparer la crevaison. Flore a réparé la crevaison et regonflé le pneu. C'est alors que Tom a encore une nouvelle idée. Tom, où est-ce que tu vas? Hé,
j'aimerais que tu répares encore autre chose, Flore. Le ballon de foot est crevé, lui aussi. Flore a réparé le ballon et ensuite elle l'a regonflé. Tom le rapporte au mouton. Et ils ont pu enfin finir leur partie. Pas seul. Puisque tous les moutons se ressemblent, comment savez-vous quelle équipe gagne? On ne sait pas. C'est ça qui est amusant. Allez les moutons! Qui nous rend la vie bien plus doux. C'est encore une belle matinée à la ferme du Pré Charmant. Tom et Filou aident Flore à nourrir les animaux. Ouais! Voilà, c'est fait. Tout le monde a eu son petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donne-nous un travail, s'il te plaît. Désolée, Filou, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai décidé de prendre une journée de repos. Je vais m'installer au soleil avec mon nouveau livre. C'est une histoire passionnante. Allez, rien que tout petit travail. Non, je suis sûre que vous allez bien trouver quelque chose à faire. C'est vrai, Filou, on pourrait faire un jeu. J'en connais un très amusant. Si on jouait à cache-cache. Oh oui, excellente idée, Laura. J'adore jouer à cache-cache. Je peux jouer, moi aussi. Bien sûr que tu peux jouer, Jules. Allez, Filou, viens, on va s'amuser. Je ne sais pas jouer. Je ne crois pas que je serai un très bon joueur. Ne t'en fais pas, Filou. C'est un jeu très facile. Je parie que tu seras très fort pour te cacher. Et moi, je suis très fort pour trouver. D'accord, c'est Greg qui cherche, c'est parti. Tu fermes les yeux et tu comptes jusqu'à 10. 10? Ça ne laisse pas assez de temps pour se cacher. D'accord, Filou. Alors, qu'est-ce que tu dirais de 100 ou 2000 ou d'un million? Un million? Mais je ne sais pas compter jusque-là, moi. Aucune importance, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Les animaux décident de jouer à cache-cache eux aussi. Je vais me cacher dans la grange. Personne ne me trouvera jamais là. Mais je voulais m'y cacher moi aussi. Il y a beaucoup d'endroits pour se cacher. Pourquoi pas derrière les tables? Non, c'est ici que Greg cherchera en premier. Et 16, 17, 18. Coin-coin et Cancan décident d'aller se cacher à l'intérieur de la maison. Riff ne pensera jamais à aller chercher là. J'ai une idée, Tom, je sais où. C'est une très bonne cachette, Filou. Et maintenant, à moi de trouver une cachette. Et vite, personne ne me voit. 21, 22. Quand Riff arrête de compter, Greg décide qu'il a compté assez longtemps, lui aussi. 29, 30, 1 million. Attention à vous, j'arrive. Tom n'a toujours pas trouvé de bonne cachette. Derrière les tables, ce serait une bonne cachette. Mais c'est impossible de passer par là. Et il n'y a plus beaucoup de temps. L'autre côté est bloqué aussi par un grand mur. Je t'ai trouvé, Tom. Je t'avais bien dit que j'étais le meilleur chercheur. Oh. Coucou. C'était tellement facile à deviner. Je ne savais pas que tu regarderais dans la grange. Laura, je t'ai trouvé. Il ne me reste plus que Filou à trouver. Mais où se cache-t-il? Te voilà. Bravo, Filou. C'est toi qui as résisté le plus longtemps. Je ferai encore mieux. La pauvre Riff est toujours en train de chercher. Elle n'a encore trouvé aucun animal. Maintenant, cette fois-ci, Filou, tu dois trouver ta cachette tout seul. D'accord, Tom. Partez! 1, 2, 3.
3. Mais allez me cacher dans la grange. 5. Ce n'est pas très malin. C'est là que tu t'es caché la dernière fois. Chut, je sais bien. C'est mon endroit préféré. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Cette fois, je vais me cacher pas dans, mais derrière les tables. Bonne idée, mais moi, je connais un endroit encore meilleur. Tom a encore du mal à trouver une bonne cachette. 37, 38, 39... Pas de triche, Laura! Recommence depuis le début! 1, 2, 3, j'en oublie, et ça! Attention, j'arrive! Je t'ai vu, Tom! Oh! Je ne suis pas très fort à ce jeu-là. Je ne trouve jamais de bonne cachette. Et si c'était toi qui cherchais la prochaine fois, tu y arriverais peut-être mieux? Enfin, Riff a trouvé tous les animaux. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Riff? Tu veux entrer? Oh! Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Mais pendant que Riff a la tête tournée, les animaux sont repartis se cacher. Laura trouve Jules. Coucou! Et elle trouve Filou. Mais Greg n'est pas aussi facile à trouver. Trouvé, Greg! Parce que j'ai bien voulu! En voyant le tas de paille, Tom a une idée. Maintenant. Pas du tout, j'ai changé d'avis. Je voudrais me cacher encore une fois. Et donc, c'est Filou qui se met à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tom commence à déplacer les bottes de paille. Greg voulait se cacher derrière les tables, comme Filou tout à l'heure. Mais il est trop large pour pouvoir passer. Greg n'abandonne pas si facilement. Il essaie d'une autre manière. Oh! Au secours, je suis coincé, à l'aide! Tom se fabrique une cachette parfaite. Personne ne me trouvera jamais ici. Je serai entièrement dissimulé par les bottes de paille. 8, 9, 10. Attention à vous! Me voilà! Au secours! Ouais. Au secours! Au secours! Greg, oui, je l'ai trouvé! Mais c'est un peu bête comme cachette, tu trouves pas? Avec tes roues arrière qui dépassent du mur de l'autre côté. Je ne me cache pas, je suis coincé. Va chercher de l'aide, je ne peux pas descendre. Au secours, à l'aide, venez vite tous. Greg est coincé, venez, venez vite. Oh, mon pauvre Greg, comment as-tu fait pour arriver là? Je voulais... Ce n'est pas grave, Greg, ne dis rien. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Où est Tom? Je crois qu'il se cache, mais on va le trouver. Tom! Tom! Où es-tu, Tom? Où es-tu? Montre-toi! La partie est finie, Tom! On a besoin de ton aide! Flore a du travail pour toi! Ils n'arrivent pas à me trouver, alors ils essaient de me faire sortir, mais je sais que c'est une ruse. Flore n'a pas de travail pour moi, c'est un jour de repos. Tom décide de rester bien caché dans la paille et il attend de voir si quelqu'un va pouvoir le trouver. Mais après quelque temps, il n'entend plus aucun bruit. Tom commence à s'inquiéter. Est-ce que tout le monde se cache maintenant? Allez, tous ensemble! Tirez!
Greg est trop lourd pour nous. Tom, te voilà. Désolée, je ne savais pas. Je jouais à cache-cache. Flore a attaché la corde sur le treuil de Tom. Vas-y, Tom. Allez, vas-y. Ça vient. Bien joué, Tom. Bravo, merci, Tom. Je me demande bien ce qu'on ferait sans toi. Dis-moi, où étais-tu caché? Allez, Tom. Dis-nous où tu étais. C'est mon petit secret. Mais les moutons ont bien vite découvert la cachette. Quand arrive, elle cherche encore. Qui ouvre la vie bien plus doux. C'est encore une belle journée qui commence à la ferme du Pré Charmant. Tom s'apprête à entasser les bottes de paille. Greg et Max sont dans la prairie et c'est l'heure du déjeuner. Peux-tu me tenir mon casse-croûte une seconde? Je vais sortir ma chaise longue. Pas de problème. Tu as vu ce que tu as fait? Je n'y suis pour rien, c'est Tom qui m'a fait sursauter. Je ne l'ai pas fait exprès, je voulais juste te dire bonjour. Oh, ne t'en fais pas, Tom. Tu sais, ce n'était qu'un accident. Mon casse-croûte est complètement aplati. Mais ce n'est pas ça qui va changer son goût. Bien, si tout est arrangé, je vais de ce pas ranger les bottes de paille. À plus tard. Je suis sûr qu'il n'aimerait pas être pris par surprise. À la ferme, c'est également l'heure du déjeuner pour Minouche. Minouche! Minouche, ton déjeuner est prêt. Filou, as-tu aperçu Minouche? Non, Flore, j'ai bien peur que non. Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Je me demande bien où elle est passée. Je vais en ville avec Laura. J'ai quelques affaires à régler. On n'en a pas pour très longtemps. Mais si tu vois Minouche, dis-lui que son déjeuner l'attend, d'accord? Reçu 5 sur 5, à tout à l'heure. Tom est très occupé. Il rassemble les bottes de paille. Mais Greg est bien décidé à lui jouer un tour. Je t'ai bien eu, Tom. Oh, tu m'as fait très peur, c'est malin. Et où est ma botte maintenant? Elle est perchée dans l'arbre. Je n'arrive pas à l'attraper. C'est trop haut pour moi. Heureusement que je suis là, je vais secouer l'arbre. Ça ne sert à rien, Greg. La botte est coincée. C'est ce que je vois. On devrait peut-être lancer autre chose pour la faire tomber. Comme quoi? Une autre botte, ce n'est pas ça qui manque. Alors, Tom ramasse une autre botte de paille pour essayer de faire tomber celle coincée dans l'arbre. Je te signale que mon idée est très ingénieuse. C'est toi qui n'as pas choisi le bon projectile. Les bottes se coincent trop facilement, c'est tout. Pourquoi n'essaies-tu pas avec l'épouvantail? Je suis sûr que ce sera plus facile de faire basculer la paille avec ça. Au même moment, Filou est toujours à la recherche de Minouche. Minouche, où es-tu? Sors de ta cachette. Un miaou! Je t'ai entendu miauler! Mais où te caches-tu, Minouche? Oh! Minouche! Oh non! Oh là là! Pas d'affolement! Je vais te trouver une solution! Surtout, ne bouge pas, je vais chercher de l'aide! Tom tente toujours de faire descendre les bottes de paille de l'arbre. Te décourage pas, ce n'était peut-être pas non plus la bonne chose à lancer. Allez, on va continuer avec ma génialissime idée. Tom, au secours, Tom! Minouche est coincée sur le toit. Flore est partie et j'ai besoin d'aide pour la faire redescendre. Elle est vite finie. Tu sais, Tom a un peu de mal à faire descendre les choses. Il vaudrait peut-être mieux s'adresser à Max. Allez, il faut aller le trouver. D'accord.
Max essaie toujours de manger son déjeuner. Mais Coin-Coin et Can-Can lui ont chapardé son casse-croûte quand il avait le dos tourné. Vous allez me rendre ça, oui? C'est mon déjeuner! Max! Minouche est coincé sur le toit! J'ai besoin de ton aide pour la descendre! Je peux vous aider, moi? Non, je vais m'en occuper. J'ai comme l'impression que je ne vais pas manger ce midi. Tom se demande toujours comment il va faire pour descendre les bottes de l'arbre. Soudain, une idée lui vient à l'esprit. De retour à la ferme, Max se rend compte que Minouche est toujours sur le toit. Ne t'inquiète pas, Minouche, j'ai la situation bien en main. Je monte te chercher. Dépêche-toi, Max. Sauve-la, je t'en prie. Calme-toi maintenant. Tu me donnes le tournis. Tu devrais plutôt tenir l'échelle au lieu de faire le fou. Ça marche. Encore une nouvelle mission. Philou est si content d'avoir un nouveau travail qu'il ne fait même pas attention à Greg qui traverse la cour en silence. Viens là, Minouche. Allez, n'aie pas peur, Minouche. Tu n'as rien à craindre. C'est moi, Max. Je vais t'aider à descendre. Je n'en crois pas mes yeux. Elle n'était pas du tout coincée. Filouche, je t'ai eu. Tu trouves ça drôle, toi? Bien joué, Greg. Quel klaxon. Mais, et l'échelle alors? Oh non, Minouche n'était pas coincée, mais moi oui. À l'aide! Au secours! Tom a lancé la chaise longue dans l'arbre, et maintenant elle est également coincée. Après tout, cette idée de lancer des choses dans l'arbre n'est pas si brillante que ça. Fou, je ne suis pas assez grand. Une idée lui vient à l'esprit. J'ai besoin de ma pelle. Vous allez vous décider à relever l'échelle? Allez, dépêchez-vous. Je veux descendre maintenant. Allez! Ça ne marche pas, Max. On n'arrive pas à la soulever. Alors, appelle Flore. Flore! Flore! Mais enfin, où peut-elle bien être? J'avais oublié. Elle est allée en ville avec Laura. Ça m'était sorti de la tête. Bon, tant pis. Va chercher Tom. Tom soulève Maud pour voir si elle peut faire descendre la botte de paille coincée dans l'arbre. Maud est assez grande pour atteindre la botte. Elle est donc à la bonne hauteur pour la déguster. Tu aurais dû voir ta tête quand j'ai klaxonné un grand coup juste sous ton nez. C'était trop drôle. Hé, hey, regarde un peu ça. Je crois qu'on va encore bien s'amuser. Je te signale que tu n'es pas censé la manger. Aide-moi plutôt à la redescendre. Oh! Greg, ça ne me fait plus rire du tout. Tu as vu le résultat? Maintenant, Maud est aussi perchée dans l'arbre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Max est l'homme de la situation. Ça, c'est bien pensé. Je crois qu'il y a juste un petit détail à régler. Lui aussi, il est perché. Hé, Tom, je suis là-haut. Tom? Tom! Pas de panique, j'arrive. Greg, ce n'était pas très malin d'effrayer Filou comme ça. Excuse-moi, Filou, mais c'est Tom qui a commencé ce jeu. Je ne l'ai pas fait exprès. En tout cas, merci de m'avoir aidé. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi.
Au moins, Tom fait preuve de bon sens. En fait, ça n'est pas toujours vrai. Que veux-tu dire? Alors là, vous avez fait fort. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. C'est Greg qui a eu cette idée. En fait, on essayait de faire tomber les bottes de paille. Mais enfin, ce n'est pas parce que quelqu'un a une idée que c'est forcément la meilleure. Surtout si elle est de Greg. Tom, peux-tu me tenir l'échelle, s'il te plaît? Et Greg, essaie de ne surprendre personne avec ton klaxon, merci. Sois prudent, surtout. Oh, oh. Voilà encore une belle matinée à la ferme du Pré Charmant. Tom et ses amis se réveillent tout juste. Bonjour tout le monde. Bonjour Flore. Bonjour Jules. Bonjour. C'est la moisson. Jules a travaillé dur pendant toute la semaine. Jules, aujourd'hui, il faudrait finir la moisson dans le dernier champ. Et ensuite, j'aurai une petite surprise pour toi. Tu as entendu, Tom? Quand j'aurai fini de moissonner le blé, j'aurai une petite surprise. Une surprise? On aura tous une surprise, Flore! Bonjour tout le monde! Est-ce que j'ai entendu le mot surprise? Oui, Greg. Si vous finissez votre travail, vous aurez tous une surprise ce soir. Je n'ai qu'une seule chose à faire aujourd'hui. Apporter les pommes au marché. Je n'en aurai pas pour longtemps. C'est moi le plus rapide. Et alors, ce n'est pas parce que tu es le plus rapide que tu es le meilleur. Moi, je suis très très lent. Et pourtant, je suis important. Je suis le seul à savoir moissonner le blé. Moi aussi, Greg, je n'ai qu'une chose à faire. Creuser un fossé. Je parie que j'aurai fini avant toi. Max, allons-y! Je ne veux pas qu'il finisse avant moi! Greg, ça ne sert à rien d'aller au marché sans emporter les pommes. Attention, Jules, chaud devant! J'attaque tout de suite et j'aurai fini le premier. Et à moi la surprise! N'oublie pas de m'apporter la remorque, Tom! J'en ai besoin pour y charger le blé! Hop! J'allais oublier! Excuse-moi, s'il te plaît, tu barres la route, je ne peux pas passer. Je sais, je suis très très gros. Bon, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse le tour. Laura et Filou ont eux aussi reçu une mission. Ils doivent faire faire de l'exercice à Paquita et Caramel. Allez, c'est l'heure de la promenade. Vous êtes prêts à courir, les chevaux? C'est parti! Hé! Mais ils ont disparu! Le travail de Laura et Filou est loin d'être facile. Paquita et Caramel trouvent qu'il est bien plus agréable de manger des carottes que de faire des exercices. Oh, je n'arrive pas à le croire! Tom a déjà fini son travail! Mais non, Greg, j'ai oublié quelque chose! Avant de commencer à creuser le fossé, il faut que j'amène la remorque à Jules dans le champ de blé! Je parie que je finirai premier, alors! Greg, attends! Je n'ai pas encore fini le chargement! Il est toujours tellement pressé, je ne peux tout de même pas emporter les pommes au marché sur mon dos. Greg effectivement est très pressé, mais Jules bloque encore le passage. Dépêche-toi un peu, Jules, je n'ai pas que ça à faire. Allez, grimpe, Max. On arrivera peut-être à rattraper Greg. Désolé, Greg. Il faut attendre un peu. Mais je ne veux pas attendre. Mais je ne suis pas obligé après tout. Je peux faire le tour de l'autre côté. Greg fonce autour de la ferme pour essayer de devancer Jules. Mais Jules est déjà là. Oh, maintenant il faut que j'attende quand même. Bien. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Tu es encore plus distrait que moi, Greg. Moi j'oublie ma remorque, mais toi tu as oublié les pommes et Max. Je suis censé aller au marché moi aussi, tu te souviens? Filou et Laura ont toutes les peines du monde à faire courir Paquita et Caramel. Plus de carottes pour vous jusqu'à la fin de l'entraînement. On y va? Prêt? Partez! Oh non!
Tom revient chercher la remorque dans la grange. Pendant ce temps, Greg s'impatiente toujours derrière Jules. Et voilà, Jules, je t'ai apporté la remorque pour charger le blé. Merci beaucoup, Tom. Ma machine en avant, tout. Tom se dépêche de repartir à la grange pour chercher sa pelleteuse. Il est bien décidé à remplir sa mission avant que Greg ne revienne du marché. Jules, lui, a commencé la moisson. C'est un travail pénible dans la chaleur et la poussière. Laura et Filou viennent de ramener Paquita et Caramel dans l'enclos pour la troisième fois. Les barrières sont fermées maintenant. Au travail. Attention, prêt ? Qui pouvait sauter par-dessus la barrière. Il ferait n'importe quoi pour une carotte. C'est alors que Filou a une idée. Tom, 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 j'ai besoin de ton aide. Oh, tout le monde a besoin de mon aide. Mais si je ne commence pas bientôt mon travail, c'est Greg qui va finir le premier. C'est bon, Filou, j'arrive. Tom, il devrait me suivre maintenant que les carottes sont sur mon porte-bagages. Tom a gentiment donné un coup de main à tous les autres, mais il a aussi son travail à faire. Et il veut finir son fossé avant que Greg revienne du marché. Salut Tom, je suis déjà de retour du marché et on dirait que tu n'as pas encore fini de creuser ton trou. Je viens seulement de commencer à le creuser. Il a fallu que j'aide tous les autres avant. Donc c'est moi qui aurai ma surprise en premier. Flore vient de ramasser les œufs dans le poulailler. Hé ! Oh ! J'ai terminé mon travail, Flore. Je peux avoir ma surprise ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Flore dit que je n'aurai pas ma surprise tant que tout le monde n'aura pas fini son travail. Ce n'est pas grave, j'ai presque fini de creuser le fossé. Mais il reste beaucoup de travail à Jules. Oh, il est tellement lent, il devrait recevoir sa surprise en dernier. Bonjour Greg, bonjour Tom, j'en ai pour une minute, la remorque est presque pleine. Je m'en occupe. Fais vite Tom, j'ai hâte d'avoir ma surprise. Moi aussi Greg, moi aussi. Tom repart vers la ferme pour vider la remorque pendant que Jules continue à moissonner le blé. Une fois la remorque vidée, Tom revient vers le champ. Il a soudain une idée. Si on s'y met tous les deux, Greg, et qu'on aide Jules à finir son travail, il finira plus vite et on aura tous notre surprise. Qu'on l'aide dans son travail? Mais moi j'ai fait le mien tout seul. Et puis je ne suis pas une moissonneuse batteuse. Et toi non plus? Non, mais je peux l'aider quand même. Regarde bien. Je suis prêt, Jules. Emplis la remorque. Je vais t'accompagner. Tu n'auras plus besoin de t'arrêter. Excellente idée, Tom. Pas trop vite, Jules. Ça suffit, la remorque est pleine. Non, ne t'arrête pas, Tom. Je ne peux pas emporter plus, il faut que j'aille vider la remorque. Alors dépêche-toi, sinon il sera trop tard pour la surprise. Pourquoi est-ce que tu ne nous aiderais pas, toi aussi? Moi? Pendant que Tom part vider la remorque, Greg, à son tour, vient aider Jules. Et le travail est vite terminé. Ça va toujours plus vite quand on s'y met à plusieurs. Je devrais avoir ma surprise en premier puisque j'ai fini le premier, non? Non, ce n'est pas vrai, Greg. On a tous fini en même temps. C'est bon, c'est bon. On fait la course. Le premier arrivé à la surprise en premier. Greg! Oh, allez, Jules, laisse-moi passer. Ça ne sert à rien de t'énerver, Greg. Qu'on y aille vite ou pas, on y arrivera toujours. Ah oui, j'arriverai quand même le premier. Ha ha ha!
Désolé, Filou, je ne t'avais pas vu. Je fais la course avec Tom. Tom, tu voudrais bien ramasser les carottes? Paquita et Caramel ont sans doute fait assez d'exercices pour la journée. Ils méritent aussi une récompense. Oui, et nous aussi, Tom, dépêche-toi. Bonjour Tom, bonjour Greg. Ça y est, tout le monde a fini son travail, Flore. Et on est tous prêts pour la surprise. Moi d'abord, la surprise. Ah d'accord, ça vient Greg. Ce sera chacun son tour, ce sera à toi après. Après, la surprise c'est un lavage. Tu n'aimes plus ça qu'on te lave, Greg? Oh, eh bien, je dois reconnaître que j'aime bien ça parfois, mais... Je croyais que tu voulais être le premier. La moisson a commencé à la ferme du Pré Charmant. C'est l'époque des récoltes. Jules moissonne le champ de blé. Flore cueille les pommes dans le verger avec Filou. Max ramasse des choux avec Greg. Et Tom revient du marché où il est allé livrer des légumes. Tout le monde travaille dur. Sauf les moutons, bien entendu. Ils sont fous, ces moutons. Tu as un problème de remorque? Fou, oui, on dirait. Je me demande ce que les moutons sont en train de nous préparer. Il ne faut pas laisser cette bûche sur la route. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un accident. Et voilà, personne ne roulera dessus maintenant. Dans le verger. Elle a besoin de quelques cachots de plus. C'est exactement dans mes cordes. Moi aussi, je peux porter des cachots, Tom. Allez, charge-moi. D'accord, Filou. Tiens. Charge-moi aussi sur l'avant. Tu crois que tu peux? Vas-y, encore. Attention, roule doucement, Filou. Sinon, ils vont tomber. Je sais, c'est moi qui l'ai aidé. Pendant ce temps, les moutons se glissent dans la cour de la ferme. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en tête? Flore a ramassé toutes les pommes qu'elle pouvait atteindre. Plus que les plus hautes à ramasser. Je peux t'aider, Flore. Merci, Tom, mais je préfère utiliser l'échelle.
Si tu veux vraiment te rendre utile, va chercher ta remorque pour emporter les cajots de pommes. D'accord, Flore, c'est comme si c'était fait. Mais quand Tom arrive devant la porte de la grange, une surprise l'attend. Mais où est passée ma remorque? Je sais pas. Je l'avais laissée ici, je m'en souviens très bien. Eh bien, elle est plus là maintenant. On peut garer quelque chose de petit dans la grange, comme une fourche ou un chapeau. Mais s'il y avait une remorque ici, on la verrait quand même. Si ça se trouve, tu confonds avec un autre jour. Elle est peut-être encore sur la route. Pauvre Tom, sa remorque n'a pas disparu toute seule. Ce sont les moutons qui l'ont prise. Et ils n'ont pas envie que Tom s'en rende compte. Excusez-moi, vous me bloquez le passage. Vraiment, je ne comprends pas les moutons. Je me demande toujours ce qu'ils peuvent bien avoir en tête. Moi aussi. Je t'avais bien dit que je ne l'avais pas laissée ici. Où peut-elle bien être? La remorque de Tom, en fait, est dans le ruisseau. Les moutons essaient de la faire passer de l'autre côté. Quelqu'un a dû venir la prendre. Tu crois vraiment? Qui voudrait voler une remorque? Et Flore qui attend la remorque? Ne t'inquiète pas, Tom. Je vais t'aider à transporter les cajots de pommes. Merci, Tom. Il t'a fallu bien longtemps. Impossible de retrouver ma remorque. J'étais pourtant certain de l'avoir garée dans la grange. Elle a disparu. Ne t'en fais pas, Tom. On peut utiliser ma remorque à moi. Voilà une bonne idée, Filou. Ne t'en fais pas, Tom. Je suis sûre qu'on va retrouver ta remorque. Une remorque ne peut pas aller bien loin toute seule. Mets-en aussi sur mes porte-bagages, Tom. Fais bien attention, Filou. N'en renverse pas. Fais-moi confiance. Encore, encore, encore. Oh. Il va falloir qu'on fasse beaucoup plus d'aller-retour sans la grande remorque. Ça m'est égal. J'adore travailler avec toi, Tom. Allez, charge-moi. Mais en voyant Max décharger les cajots de choux de la benne de Greg, Tom a soudain une idée. Tom a demandé à Greg de l'accompagner jusqu'au verger. Et là, il l'a chargé de cajots de pommes. Mais je peux emporter beaucoup plus que ça, Tom. Je suis un gros camion. C'est mieux comme ça. Je reviens dans une minute. Attends, Greg, mais où vas-tu? Tu fais un grand détour par là. Ça n'a aucune importance pour moi, je fonce. Il va tout faire tomber, il va tout faire tomber. C'est malin. Oh. Pourquoi t'a-t-il fallu si longtemps? Vous les tracteurs, vous êtes si lents. Greg, c'est toi qui as roulé trop vite. Tu as fait tomber des cajots et tu ne t'es même pas arrêté. Oh, je préfère travailler avec Filou.
Pendant ce temps, les moutons poussent la remorque de Tom jusqu'en haut de la colline. Comment est-ce que tu peux préférer Filou? Je suis plus puissant et plus rapide, et puis Filou a une toute petite remorque. Il n'a peut-être qu'une petite remorque, mais lui, au moins, il fait attention à ce qu'il transporte. Ta remorque, Tom, ta remorque! Filou, reviens! Alors ce sont les moutons qui avaient pris ma remorque. Je sentais qu'ils préparaient quelque chose. Merci Filou, tu m'as vraiment rendu service en retrouvant la remorque. Maintenant qu'il a récupéré sa remorque, Tom finit son travail en un clin d'œil. Quant aux moutons, ils ont trouvé encore un meilleur moyen de s'amuser. Qui ouvre la vie bien plus doux. C'est encore une belle matinée à la ferme du Pré-Charmant. Tom est occupé à labourer le champ. Filou l'aide avec sa propre charrue. En réalité, c'est un râteau. Nous avons presque fini. Pas vrai, Tom? Labourer les champs, ce n'est que le début, Filou. Car ensuite, il faut semer les graines. Greg attend Max et Flore dans la cour. Laura vient le voir. Salut, Greg. Tu veux voir mon nouveau tour? Maintenant, je sais faire une roue arrière. Regarde ça. Attends, et là, encore plus fort. Oh, Laura. Ça va, Laura? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit sur tes acrobaties? Tu vas finir par te faire mal si tu ne fais pas attention. Je suis désolée, Flore. Je vais en ville avec Max et j'espère que tu te tiendras tranquille pendant ce temps-là. C'est difficile de rouler sur une seule roue, mais je connais des figures encore plus dures. Tom finit de labourer le champ. Terminé, Filou. Maintenant, il faut semer les graines. Mais... Eh? Où es-tu, Filou? Bonjour, Maude. Surprise, Tom. Mais comment as-tu fait pour me trouver aussi vite? Simple, je suis vite tes traces. Oh! Suivre une piste, c'est le meilleur moyen de résoudre un mystère. C'est quoi un mystère? C'est un problème qu'on ne comprend pas. Comme où est passé Filou? Ou pourquoi y a-t-il des traces sur le sol? Moi aussi, je veux résoudre un mystère. Il faut en trouver un d'abord. Dans la cour, Filou remarque quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais qu'est-ce que font Paquita et Caramel? Tom, Tom, viens vite, j'ai trouvé un mystère. Allez, viens vite, je vais te montrer. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Paquita et Caramel sont simplement fatigués. Ils tournaient sur eux-mêmes il n'y a pas une seconde. C'est ça, Filou. Mais moi, il faut que j'aille semer les graines. J'ai promis à Flore que j'aurais fini aujourd'hui. Soudain, Filou entend un bruit bizarre en provenance du poulailler. Des chevaux qui tournent en rond, des poules qui tournent en rond. Je dois suivre la piste pour résoudre les mystères. Salut, Tom. Tu veux voir mon nouveau tour? Non, pas maintenant, Laura. Il faut que je sème ces graines. Je l'ai promis à Flore. Mais il est vraiment génial, Tom. Regarde. Peut-être tout à l'heure. Filou est toujours intrigué par le mystère des animaux qui tournent comme des toupies. Les indices s'accumulent. Je me demande si tous les animaux tournent en rond. Ah!
besoin de tourner en rond. Tu devrais essayer, Tom. Franchement, ça a l'air amusant. Oh, Tom, t'es encore plus lent que Maud. Allez, Tom, décroche la semeuse et recommence. Je ne peux pas, il faut que je finisse de semer les graines. Et si j'ai la tête qui tourne, je ne pourrai pas aller en ligne droite dans les sillons. Et il a la trouille, et il a la trouille. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas peur. Je ne me sens pas très bien. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de ne pas t'écouter, Laura. Je vais demander à Max de regarder mon moteur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah non! Ne lui dis rien. Si tu lui dis, je vais me faire gronder à cause de mes acrobaties, idiote. Oh, mais je ne veux pas que tu te fasses gronder à cause de moi. Merci, Tom. Tu iras sans doute beaucoup mieux dans quelques temps. Tu devrais raccrocher la semeuse et finir de semer les graines comme tu l'as promis à Fleur. J'ai réussi. J'ai résolu le mystère, Tom. J'ai trouvé pourquoi les animaux tournent tous en rond. Hein? Oh, Tom, j'ai découvert le seau magique. Comment ça, un seau magique? Parfaitement. Je l'ai vu, il flotte dans l'air et il tourne sur lui-même. Les animaux copient tout ce qu'il fait. Je suis un vrai détective. J'ai fait ce que tu disais, j'ai suivi la piste comme toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Filou? Tu sais bien que ça n'existe pas, les seaux magiques. Puisque vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à venir voir. Allez! Mais quand ils arrivent dans la cour, il n'y a aucune trace de seau magique. Oh! Il a disparu. Il était là, il y a encore une seconde. J'ai mal au moteur. Et le voilà! Le seau magique! Venez vite, mais venez vite! Filou, il n'a rien de magique, ton seau. J'avais résolu le mystère des animaux qui tournent en rond. Tu vois, je croyais qu'ils imitaient le seau magique. La raison pour laquelle les animaux tournent tous en rond, c'est que Laura leur a appris. C'est son nouveau jeu. Elle a essayé de me l'apprendre à moi aussi. Je crois que je suis pas très fort pour résoudre les mystères. Tu verras bien, Filou. Tu trouveras d'autres mystères à résoudre. On dirait que ça va pas très fort, Tom. C'est vrai. Tu sais, Max devrait t'examiner. Il est parti en ville, il va bientôt rentrer. Je vais aller le prévenir. Non, Filou, ne lui dis rien. Oh non, je ne veux pas qu'elle se fasse gronder à cause de moi. Ils reviennent. Max, Tom a mal au moteur. Il arrête pas de tousser et il se sent pas très bien. Merci, Filou. Je vais aller voir. Il est dans la grange. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Laura? Tu es inquiète à cause de Tom? Tout ça, c'est de ma faute, Fleur. J'ai dit à Tom que c'était un trouillard et c'est moi qui l'ai fait tourner en rond. Il s'est fait mal au moteur et moi, je lui ai demandé de ne rien dire. Oh, Laura, je suis très fière de toi. Ah bon? Oui. Je ne suis pas très contente de tes acrobaties, mais tu es venue me dire ce qu'il s'est passé. Et c'est très courageux de ta part. Ne t'inquiète pas pour Tom. Je suis sûre que Max va pouvoir le réparer rapidement. Mais où est-il passé? Je ne sais pas. Il était dans la grange il y a un instant. Peut-être, mais il n'y est plus. Il est peut-être reparti pour finir les semailles. Très bien, Filou. Allons le chercher. Oh, hé! Attends, regarde! Des graines! Wow, attends, Filou, où vas-tu? Max, je suis sur une piste. Mais enfin, il faut qu'on trouve Tom. Justement, j'essaie de le trouver. Oh. Regarde, le
des indices sur la piste et j'ai résolu le mystère. Ouh, bravo Philou. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, Tom? J'essayais de me cacher. Je ne voulais pas que Laura se fasse gronder. Elle m'a fait tourner en rond. Oh, et après j'ai eu mal au moteur. Et maintenant, je suis en panne. Ne dis pas de bêtises. Les acrobaties t'ont peut-être tourné la tête, mais ce n'est pas ça qui a pu arrêter ton moteur. Max a fait de la mécanique une bonne partie de l'après-midi. Merci, Max. De rien, Tom. C'était juste un peu de poussière dans ton arrivée d'essence. Cela n'a rien à voir avec des dérapages contrôlés, Laura. Fais attention, Laura. Ou toi aussi, tu devras passer entre les mains de Max. Tu devrais essayer toi aussi, c'est tellement amusant de faire des dérapages. Écoute Laura, je pense qu'on a eu assez de tours de manège pour la journée, tu ne crois pas? Qui ouvre la vie bien plus doux. C'est une belle journée à la ferme du Pré-Charmant. Flore a demandé à Tom un travail un peu spécial. Tom, je veux que tu me vides tout ce hangar. Il faut qu'il soit propre et net. Tu peux mettre les bûches derrière la grange, d'accord? C'est comme si c'était fait, mais qu'est-ce que tu comptes en faire quand il sera vide? Désolée, Tom, mais j'ai décidé que ce serait une surprise. Une surprise? C'est quoi la surprise? S'il te plaît, dis-le-moi, Flore, s'il te plaît, s'il te plaît! Non, Tom, tu le sauras bien assez tôt. Bonjour Greg, bonjour Laura. Vous savez quoi? Flore prépare une surprise. Une surprise? C'est quoi comme surprise? Mais enfin, ne dis pas de bêtises Greg, si Tom nous le dit, ce ne sera plus une surprise. Oui, c'est vrai. Allez, dis-le-moi Tom, il faut que je sache. Mais je ne voudrais pas vous gâcher la surprise. Ça m'est égal, gâche-moi la surprise. Oui, Tom, dis-nous. Mais moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Flore ne m'a rien dit. Oh. Je connais quelqu'un qui va nous renseigner. Ça vient, Greg. Je ne suis pas sourd, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tom dit que Flore dit qu'on va avoir une surprise. On voudrait savoir ce que c'est. Tu le sais, toi? Eh bien... Non, désolé, je ne peux rien dire. J'ai promis à Flore que je ne parlerai à personne de la nouvelle machine qui va arriver. Quelle machine? Excusez-moi, j'ai affaire. Bon, eh bien, à plus tard, hein. Au revoir. Greg et Laura sont venus annoncer la nouvelle à Tom. Mais qu'est-ce que Flore ferait d'une nouvelle machine? Elle a peut-être décidé d'acheter un nouveau tracteur avec tout un tas d'accessoires. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est un nouveau tracteur, Greg, hein? Et pourquoi ce ne serait pas une nouvelle camionnette? Quoi? Impossible! Il n'y a pas besoin d'une nouvelle camionnette, je suis là, moi! Et qu'est-ce que tu sais faire de si original? Ça, par exemple. Je voudrais bien t'entendre, toi, klaxonner comme ça. Tom ne peut s'empêcher de se demander si Greg a raison. Si Flore a acheté un nouveau tracteur, elle n'a certainement plus besoin de lui. Et si Flore a acheté un nouveau tracteur, que va-t-il m'arriver à moi? Je serais sans doute oubliée. Mais pourquoi Flore achèterait-elle un nouveau tracteur? Toi, tu sais tout faire, Tom. Tu peux soulever, tu peux tirer, labourer, semer des graines et... Mais le nouveau tracteur est sans doute plus gros et plus puissant que moi, avec des outils supplémentaires. Qu'est-ce que je devrais dire? Peut-être que Flore ne m'aime plus maintenant. Ne dis pas de bêtises. Tu sais bien que tout le monde t'aime, Jules. Et pourtant, la seule chose que je sais faire, c'est moissonner le blé.
Pendant ce temps, Laura et Greg cherchent encore à savoir lequel des deux est le meilleur. Je ne fais peut-être pas autant de bruit que toi, Greg, mais il y a beaucoup de choses que je sais faire et pas toi. Par exemple? Deux acrobaties. Regarde. Alors, tu sais faire ça? Je peux y arriver sans problème. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu d'élan. Et une bûche. Bon, toi aussi ça t'arrive de tomber, je t'ai vu. Ça, c'est parce que je n'ai que deux roues pour tenir en équilibre. Laura, je suis coincée, je ne peux pas me lever. Je vais chercher Tom. Tom aide Greg à se remettre sur ses roues. Merci, Tom. Tom se demande qui l'appellera à l'aide une fois que le nouveau tracteur sera là. Il décide de montrer à Flore qu'il est très utile dans la ferme. Tiens, Minouche, le repas est servi. Tu n'as pas très faim, on dirait. Bonjour, Flore. As-tu besoin d'aide? Non, merci, Tom. Ce n'est pas vraiment un travail pour un tracteur, tu sais. Où vas-tu maintenant? Voir si les poules ont pondu. Bien travaillé, mesdames. Laisse-moi porter les œufs, Flore. Non, laisse-moi les porter sur mon porte-bagages. Mais... merci beaucoup, mais je n'ai pas vraiment besoin de votre aide pour transporter 3 œufs de la cour jusqu'à la cuisine. Max, as-tu remarqué le comportement étrange des machines? Je me demande ce qui leur prend. Tu ne leur as rien dit de l'arrivée de la nouvelle machine, j'espère. Non, pas un mot. Bonjour, Flore. Tu as du travail pour moi? Et pour moi aussi, s'il te plaît. Donne-moi quelque chose à faire. Désolée, mais je ne vois aucune tâche à vous confier pour le moment. Rien à creuser, rien à soulever? Non, Tom. On va labourer? Non. Semer des graines. Tom, ça suffit. Je n'ai pas besoin de tes services pour le moment. Et moi alors? Est-ce que tu voudrais que j'aille moissonner le blé? Non, Jules, pas maintenant. Tout compte fait, tu pourrais faire quelque chose pour moi, Tom. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Hein? Je ne sais pas. Flore m'a demandé de faire 2 rangées de bottes de paille. Je crois que c'est pour la nouvelle machine. Pourquoi faire? C'est pourtant évident. C'est une série d'obstacles pour tester la nouvelle machine. Peux-tu faire ça, Greg? Je parie que le nouveau saura. Qu'est-ce que tu racontes? Je parie que la nouvelle machine doit les ramasser avant de les emporter. Charge-moi, Tom. Je vais montrer à Laura combien de bottes de paille je peux porter. Greg! Ah, te voilà. Max et moi, nous t'avons cherché partout. Nous devons aller faire une course. C'est une surprise. Oh, il faudra sans doute que j'aille vivre dans les champs quand la nouvelle moissonneuse batteuse sera là. Il n'y aura pas assez de place pour nous deux dans la grange. Mais enfin, Jules, nous ne savons pas si ce sera une moissonneuse batteuse. Moi, je crois que ce sera un quad comme moi. Moi, ça m'est bien égal quel genre de machine c'est, mais je ne serai pas amie avec elle. Mais Flore le sera, et je parie que la nouvelle machine sera sa préférée. Oh, voilà Greg. Mais où est le nouveau tracteur? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Mais certainement pas un tracteur. C'est sans doute la nouvelle moissonneuse-batteuse volante. Non, Jules! C'est un petit avion! Et il vole! Il vole! Il vole!
bottes de paille ne sont pas des obstacles, Laura. Elles dessinent une piste d'atterrissage. Bien entendu. Coucou la compagnie, voici la nouvelle machine, Danny. Bonjour tout le monde, je m'appelle Danny. C'est la première fois que je viens dans une ferme. Et nous, c'est la première fois que nous rencontrons un avion. Une machine qui vole. Est-ce que tu pourras m'apprendre à voler? Ne dis pas de bêtises, Jules. Les moissonneuses batteuses, ça ne vole pas. Danny est venu nous rejoindre à la ferme du Pré Charmant. Et j'espère que vous allez tous devenir de très bons amis. Tu peux compter sur nous. Je pensais que tu allais acheter un nouveau tracteur. Un nouveau tracteur? Oh, Tom, je n'ai pas besoin d'un autre tracteur. Je tais, toi. Qu'est-ce que je ferais sans chacun de vous? Ouais, youpi. Allez, viens, Danny. Je vais te montrer la ferme. Et ils partent tous ensemble pour lui montrer sa nouvelle maison. Et tout le monde est rapidement devenu l'ami de l'adorable petit avion. C'est encore une belle journée ensoleillée à la ferme du Pré-Charmant. Flore s'apprête à partir faire des courses, mais elle n'arrive pas à retrouver son casque de moto. Il n'est pas dans le poulailler. Quelqu'un a-t-il vu mon casque, Tom? Non, Flore, désolée. Je vais t'aider. Moi aussi, moi aussi. On peut déjà aller voir dans la grange. Merci. Je vais voir dans la maison. Et si tu allais voir dans l'écurie, Laura? Il est là, Tom. Regarde, là par terre. Bravo, Filou. Flore sera contente. Elle ne peut pas se déplacer à moto si elle ne porte pas de casque. Ce serait trop dangereux. Attends, Tom. Ne lui apporte pas tout de suite. Je viens d'avoir une meilleure idée. Jouons un bon tour à Laura. Ça ira, Tom. Maintenant, mets-lui le casque. Allons-y! Attention, elle arrive par ici! Je peux pas voir, je peux pas voir! Chut, Filou, tu vas tout faire rater! Tu veux bien me soulever, Tom? Bonjour, Flore. Tu as retrouvé ton casque. Tu es prête à partir, alors? Allez, Flore, à cheval et que ça saute. Filou? Greg? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es en train de parler avec l'épouvantail? Voilà ce qui se passe. Mais... oh! Oh, ils m'ont bien... Ce n'est pas grave. Au moins, j'ai retrouvé mon casque. Partons en ville. C'était amusant. Oui, mais Filou a presque tout fait rater en tombant. Ce n'était pas de ma faute. Tom m'a lâché. C'est parce que tu es trop petit. S'il n'avait pas fallu te hisser aussi haut, Laura ne nous aurait pas vus. Et elle serait partie en ville en emmenant l'épouvantail au lieu de Flore. Ne l'écoute pas, Filou. Tu n'es pas trop petit. Bonjour, Tom. Est-ce que tu peux venir m'aider avec les bottes de paille? Il faut les rentrer dans la grange avant l'hiver. J'arrive, Max. Viens aussi, Filou. Tu pourras nous aider. Pendant ce temps, Paquita et Caramel ont trouvé la barrière du verger ouverte. Les pommiers portent de superbes pommes rouges bien mûres. Pour Paquita et Caramel, les pommes sont un vrai régal. Greg, Tom et Filou rapportent les bottes de paille que Max va ranger dans la grange. Vas-y, Tom. Fais-moi passer les bottes de paille. Je ne peux pas monter plus haut, Max.
tu peux quand même aller beaucoup plus haut que Filou. Essaie de me les lancer, Tom. Je les attraperai. D'accord, Max, tu es prêt? 1, 2, 3. Et pourquoi tu ne te sers pas de la poulie? Ce serait beaucoup plus facile. Ah oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Filou pourrait tirer sur la corde. C'est bien, Filou. Allez, encore un peu, c'est ça. Je crois que c'est une mauvaise idée. Encore un petit effort. À l'aide! Avec toute cette agitation dans la cour, personne n'a remarqué Paquita et Caramel. Ils ont déjà mangé beaucoup de pommes, mais Caramel se dit que les pommes, tout en haut de l'arbre, ont l'air meilleures que les autres. Et en plus, il sait comment les cueillir. Grimpé sur le dos de Paquita, Caramel réussit à atteindre de nouvelles pommes. Mais tout là-haut, elle lui semble encore meilleure. Il lui faut seulement un peu d'aide. Avec Riff et Minouche, c'est plus facile. Après l'incident de la poulie, Filou se sent tout triste. Tom, je suis trop petit pour pouvoir me rendre utile. Mais non, Filou. Je devrais peut-être essayer de mettre tes roues de secours, Tom. Avec ça, je serai beaucoup plus grand. Mais elles sont beaucoup trop grandes pour toi. Tu ne pourras jamais les mettre. Ce n'est pas un défaut d'être petit, Filou. Oui, c'est facile à dire pour toi, Jules. Toi, t'es vraiment énorme. Mais tu es très rapide, Filou. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis peut-être énorme, mais je suis beaucoup moins rapide que toi. Allez, Filou, Max doit abattre un arbre abîmé près de la route. Il a besoin de nous. Alors, Max, tout va bien? Oui, Tom. Vous allez tirer sur cette corde que j'ai fixée au tronc. Il faut absolument qu'on empêche l'arbre de retomber sur la route. Il faudrait peut-être y attacher une deuxième corde pour que Filou nous aide. Ne dis pas de bêtises. Filou est trop petit pour nous aider. Souviens-toi de ce qui s'est passé à la grange. Si quelqu'un doit tirer sur cette corde, ça ne peut être que moi. Max sait bien qu'il faut Greg et Tom pour retenir un arbre aussi lourd. Ça y est, Greg. T'es attaché. Mais au moment où Max va fixer la corde sur Tom... À nous, Tom. Ah, attends, Greg, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je tire la corde! Mais je ne l'ai pas encore fixée sur Tom. Oh non! L'arbre est en train de tomber. Greg! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pourrais dégager la route en soulevant l'arbre avec ma fourche. Mais hélas, elle est dans la grange. Alors, on n'a qu'à le pousser de là. Quel idiot cet arbre! On est coincé! Pas moyen de passer! Il est trop gros! Oh, il n'est pas trop gros pour moi! Bravo, Filou! Peux-tu me rapporter dans la grange? Avec plaisir, Tom. Je suis désolé, Max. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai voulu faire le malin. J'aurais dû attendre que vous soyez tous prêts. Ce n'est pas grave, Greg. On a de la chance d'avoir eu Filou avec nous. Tu vas y arriver! Oh,
nous aider. Tom a raison. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Je regrette de m'être énervé et de m'être moqué de toi. Je ne m'étais pas rendu compte de tout ce que peut faire un petit quad comme toi. Parfois, c'est mieux d'être petit. Greg et Philou se sont réconciliés. Ils sont redevenus amis. Mais Laura n'a pas oublié le tour qu'on lui a joué ce matin. Hé, Greg, je crois que Max te cherche. Il est là-bas, près de l'étable. Merci, Laura. Oui, Max, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as du travail pour moi? Greg, la camionnette, toujours à ton service. Hein? Max? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu parles à un épouvantail, voilà ce qui est drôle. Oh, tu t'es bien moqué de moi, Laura. Je t'ai bien eu, je t'ai bien eu. L'après-midi touche à sa fin à la ferme du Pré Charmant. Tom est en train de couper le gazon. Philou l'aide en s'assurant qu'il est bien passé partout. Tu as oublié une grande touffe d'herbe près de l'étable. Attention. Je joue à cache-cache avec Danny. Tu roules beaucoup trop vite. Désolée, Philou, je ne voulais pas te faire peur. Tu m'as pris pour un monstre, pour un grand monstre velu. Ce n'est pas ça, je t'ai pas vu arriver, c'est tout. Tu sais quoi, Danny? Philou a cru que j'étais un gros monstre velu et il a peur des monstres. Non, c'est pas vrai. Y a-t-il beaucoup de monstres dans les parages? Non, pas tellement, je crois. Et est-ce qu'ils font très peur? Bien sûr que non. Les monstres ne font pas du tout peur. D'ailleurs, ils n'existent même pas. C'est vrai. Allons-y, Philou. J'ai besoin de ton aide pour couper le gazon. Et nous, on doit finir notre partie de cache-cache. Attention, prêt, partez! Attends un peu, Laura. Tu t'y connais vraiment en monstres? Évidemment. En général, les monstres ont des écailles ou des poils. Ils ont parfois un pelage vert ou quelquefois orange, ou alors de toutes les couleurs. Ils bondissent en poussant des cris affreux. Et... les monstres, ça a l'air rigolo. Et si on jouait aux monstres? Tu veux jouer au monstre? Mais on vient de commencer une partie de cache-cache. On continue, c'est parti. Si moi, j'étais un monstre, je voudrais être énorme avec des longs poils verts. Danny? Danny, tu as fait peur aux moutons. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient très peur. Ils ont fait mine de ne pas avoir peur, mais en vrai, les animaux sont très craintifs. Je crois qu'on devrait arrêter de jouer à ce jeu-là. Et puis d'ailleurs, il va bientôt faire nuit. Je rentre. Wow. Et toi, est-ce que tu crois que ça existe vraiment les monstres, Tom? Non, Philou, les monstres c'est pour rire, ça n'existe pas. Alors tant mieux. Terminé. Je parie que toi tu n'as peur de rien du tout, Tom. Tu te trompes, tout le monde peut avoir peur de quelque chose parfois. De quoi tu as peur, Tom? Parfois, j'ai un petit peu peur dans le noir. C'est vrai, je l'aurais jamais cru.
Cette nuit-là, Laura a du mal à s'endormir. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à des monstres. Elle entend des drôles de bruits. Qu'est-ce que c'était? T'as entendu, Tom? Oui, Laura, c'est une chouette. Ah oui, évidemment, je sais bien. C'est Minouche, la chatte. Calme-toi, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas. Parfait, alors on peut se rendormir. Rassurée, Laura ferme les yeux et essaie de s'endormir. Et soudain, Laura entend un bruit vraiment très étrange. Elle écoute attentivement, mais elle ne parvient pas à comprendre ce que ça peut être. Elle n'ose pas réveiller ses amis dans la grange parce qu'elle ne veut pas qu'ils sachent qu'elle a peur. Quand elle réussit enfin à s'endormir, c'est déjà l'heure du réveil. Et Tom et Filou se préparent à sortir. Bonjour Dani, ça va? Bonjour Filou, bonjour Tom. Bonjour Laura, allez réveille-toi, on va jouer au monstre. Oh, j'ai pas envie de jouer Dani, je suis bien trop fatiguée. La pauvre Laura se sent encore très fatiguée. Oh, wow! Dani, arrête de faire ça! Tu veux bien jouer au monstre maintenant? Non, Dani, sûrement pas. Il ne faut jamais jouer à ce jeu quand il y a des animaux autour. Les animaux ont très peur des monstres. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient peur. Ce n'est pas toi qui aurais peur d'eux par hasard? Non, les motos n'ont jamais eu peur de rien. Mais pourtant, un jour ou l'autre, ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur. Même à Tom. Vraiment? Et de quoi est-ce qu'il a peur, lui? Du noir, quelquefois. Et quand j'ai peur, alors j'allume mes phares pour voir autour de moi. Eh bien moi, en tout cas, je n'ai peur de rien. Et surtout pas des monstres. Oh, mais j'aimerais bien quand même qu'on arrête d'en parler. Oh, mais moi, je voulais jouer au monstre avec toi. Si Laura n'a pas envie de jouer au monstre, alors elle n'y est pas obligée. On y jouera une autre fois, quand il n'y aura pas d'animaux. Cette nuit-là, Dani se réveille soudain avec une idée en tête. Si tous les animaux sont endormis, Laura acceptera peut-être de jouer au monstre maintenant. Hé, Laura! Laura! Ouvre la porte! Laura, tu m'entends? Tom! Tom! Réveille-toi! Réveille-toi! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il fait jour déjà? Non! Il y a quelque chose dehors! Je ne sais pas ce que c'est! Oh! C'est moi! Je suis un monstre! Ah, un monstre! Un monstre! Mais ne sois pas bête enfin, Laura! Ça n'existe pas, les monstres! Tu as raison, Filou! Enfin, je me demande... Non, je suis sûre que ce n'est pas un monstre! Mais... il fait trop sombre pour y voir! Si tu allumais tes phares, Tom, on pourrait peut-être voir ce que c'est! Bonne idée! Je vais jeter un coup d'œil, Laura! Il ne faut pas avoir peur! C'est seulement Dani. Bonsoir, Tom. Laura est réveillée. Je me suis dit qu'on pourrait jouer au monstre, puisque les animaux sont endormis. Nous aussi, on dormait. Il fait nuit noire. Tu sais, tu as fait très peur à Laura. Et à moi aussi. C'est impossible. Elle disait que les motos n'ont jamais peur de rien. Tu
sais, ça peut arriver à tout le monde d'avoir peur, Dani. Même aux petites motos. Je suis désolée, Laura. Je ne voulais pas te faire peur. Ça ne fait rien, Dani. Je vais me recoucher maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit, Laura. Bonne nuit, tout le monde. Enfin, tout le monde peut se rendormir. Dans la grange, tout est tranquille. Tom, j'entends encore un bruit bizarre et je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ne t'en fais pas, c'est Jules. Il ronfle en dormant. Bonne nuit, Tom. Bonne nuit, Laura. Dès le lendemain, Laura et Dani ont trouvé un nouveau jeu bien plus amusant. Et personne ne joue plus aux monstres. Sauf, bien entendu, les moutons. On dirait même que c'est devenu leur jeu préféré. Le printemps est arrivé à la ferme du Pré Charmant et tous les animaux ont des petits. Les moutons ont des agneaux, les poules ont des poussins et Riff a 6 chiots. Flore fait le grand ménage de printemps afin d'avoir plus de place dans la grange. Tom lui donne un coup de main. Bon, on va tout mettre à l'extérieur, Tom. Comme ça, on y verra plus clair et on décidera ce qu'on garde et ce qu'on jette. La cour de la ferme est pleine de choses très bizarres. Regarde ce chiot, Flore. Il tourne autour des poules et des poussins de la même manière que Riff tourne autour des moutons. Bonjour Tom, bonjour Flore. Coucou petite canaille. Oh mais tu tournes autour de moi. Comment allons-nous t'appeler? Mais bien sûr, nous allons t'appeler Yap. Philou et Laura ont également une mission à remplir. Ils doivent essayer de transférer les moutons dans le champ voisin où l'herbe est plus haute. Allez les moutons, gentils moutons, venez avec moi, allez, suivez-moi. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Tu n'as jamais vu faire Riff? Il lui suffit de bouger dans tous les sens et d'aboyer plusieurs fois et tous les moutons lui obéissent. Regarde et admire. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Impressionnant, non? Mais où sont passés les moutons? Je crois que ça va être plus difficile que prévu. À la ferme, Flore a regroupé tous les objets que Max doit aller jeter à la déchetterie. Flore, c'est vraiment du gaspillage de jeter toutes ces choses. Que reproches-tu à ce parapluie? Ah. Bon, certaines choses pourraient être utiles. On pourrait accrocher ces cornes de taureau sur le mur. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de tout ça. La grange est dans une telle pagaille. Tom va t'aider. Flore, tu peux nous aider, s'il te plaît? Les moutons n'en font qu'à leur tête. D'accord. Et Riff va nous accompagner. Elle a presque terminé d'allaiter ses petits. Et c'est la meilleure pour rassembler les moutons. Riff, Tom va s'occuper de tes chiots. De toute manière, maintenant qu'ils ont mangé, ils vont sûrement dormir. Aucun souci, je m'en occupe. Comme ça, pendant qu'ils font la sieste, je vais finir de ranger la grange. Non, Tom, il n'en est pas question. Il faut absolument que tu les surveilles très attentivement. Ils sont tout petits. On s'occupera du rangement après, ça peut attendre. J'ai compris. Je ne vais pas les lâcher d'une semelle, c'est promis. Quatre, cinq et six.
Faites de beaux rêves, gentil toutou. Chut, les chiots se sont endormis. Je vais quand même essayer de ranger deux ou trois choses avant qu'ils ne se réveillent. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas compris ce qu'a dit Flore? Tu ne dois pas quitter les chiots des yeux une seule seconde! Ne t'inquiète pas, ils sont tous endormis. Oh non! Oh. Ouh! Ils dorment toujours. Mais c'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un! Un des chiots a disparu! Au pied, le chien! Allez, viens voir ton ami Tom, petit chiot. Calme-toi, il n'a pas pu aller très loin. Tu sais, leurs pattes sont vraiment toutes petites. Je n'en reviens pas. Je les ai quittés du regard à peine une minute. Oh non, ils se sont tous enfuis maintenant. Il faut que je leur mette la main dessus avant que Riff revienne. Dis-moi, Yap, où sont-ils? Hé, hey, Jules, tu as entendu ça? On dirait qu'un chiot aboie sous ses caisses. Bien joué, Yap. Quelque chose de plus haut vous empêcherait de partir. Ou quelqu'un pour les garder. C'est entendu, je t'engage. Et si je retrouve tous tes frères et sœurs et que je les ramène ici, pourras-tu les surveiller pour moi? Pendant ce temps, dans le champ, Riff met les moutons au garde-à-vous. Talent, n'est-ce pas? À la ferme, Tom s'active et continue à chercher et à regrouper tous les chiots. Merci, Paquita. Comment vas-tu faire pour le sortir de là? Je peux savoir ce qu'il y a d'amusant? Je crois qu'un des chiots est dans ma cabine. Oh, il n'arrête pas de me chatouiller. Montre-toi, petit coquin. Allez, viens là. Alors, est-ce qu'il est sorti? Non, il s'amuse. Comment vas-tu t'y prendre? J'espère que tu ne comptes pas me secouer comme tu l'as fait avec le poulailler. Mais non, rassure-toi, je vais plutôt l'attirer avec quelque chose d'appétissant. Excuse-moi, Minouche, mais là, il y a vraiment urgence. Mais que fais-tu? Ce n'est pas pour les chiens, c'est de la nourriture pour chats. Oui, je sais, mais les chiots aiment bien ça aussi. Ils le reniflent. Jules, ça marche! Et patin! Il ne me reste plus qu'un chiot à trouver. Où peut-il bien se cacher? Es-tu monté aussi haut? Je me demande bien comment tu vas t'en sortir cette fois. Tu ne peux pas l'attirer avec le bol de Minouche. Et tu ne peux pas non plus secouer la grange comme tu as secoué le poulailler. Max et Greg reviennent de la déchetterie juste au bon moment. Alors, Tom, ça va? Oui, regarde.
6000 fois, Max. Tu es un héros. Et toi aussi, Yap. Je n'aurais jamais pu retrouver tous tes frères et sœurs sans toi. Tu es vraiment un petit chien très intelligent, comme ta maman. Alors, Tom, tout s'est bien passé? Oh, très bien, aucun souci. Tu avais raison, les chiots se sont endormis et je les ai tous mis dans... Oh non! Ils ont encore disparu! Comment ça encore? Qu'est-ce que tu entends par là? Je ne les avais quittés des yeux que 2 secondes. Mais je les avais tous retrouvés et je vais devoir recommencer. Riff l'a fait pour toi, bravo. Elle est vraiment très forte pour assembler sa petite famille. La prochaine fois que Tom gardera les chiots, il pourra utiliser ça. Un landau? Je croyais t'avoir demandé de jeter toutes ces vieilles choses. Je l'ai fait. Ce sont juste quelques broutilles que j'ai récupérées. On va les ranger dans la grange. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. C'est encore une belle journée à la ferme du Pré Charmant. Flore vient de finir la moisson avec l'aide de Jules. Regarde, Flore, qu'est-ce que c'est? Un lapin! Comme il est mignon! On ne voit pas souvent de lapins près de la ferme, c'est trop bruyant. Ah, voilà Tom. Rentrons à la ferme, Jules. Est-ce que je peux rester un peu ici? C'est si calme et si paisible. Si tu veux, Jules. Profite du calme pour une fois. Jules a trouvé un endroit splendide, à la lisière du bois, où il peut rêver et réfléchir paisiblement. Mais de retour dans la cour, il tombe en plein vacarme. Ça va, Jules? Oh! Pourquoi y a-t-il autant de bruit aujourd'hui? Parce qu'on a inventé un nouveau jeu, le cache-cache klaxon. Le lendemain matin, à peine réveillé, Jules sort de la grange. Tu vas encore moissonner aujourd'hui, Jules? Je croyais que tu avais fini. Oui, j'ai fini. Alors tu vas où? Quelque part, dans un endroit tranquille. Après la récolte du blé, Tom doit labourer le champ. Salut Tom, Max m'a libéré pour la matinée. Je viens jouer au nouveau jeu de Laura et Filou. Quel nouveau jeu? Le jeu qu'on a inventé hier. Tiens, ça s'appelle cache-cache-klaxon. Tout le monde se cache comme d'habitude et il y en a un qui doit trouver les autres, c'est moi. Mais quand je klaxonne, les autres doivent me répondre en klaxonnant. Et ensuite, j'essaie de les trouver en suivant leur bruit. C'est parti! Tu peux jouer aussi si tu veux, Tom. J'aimerais bien, mais je dois d'abord finir le labour. Moi, on ne m'a pas donné ma matinée. Pendant qu'il retourne la terre, Tom remarque une silhouette jaune familière en lisière du bois. Bonjour, Jules. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, je regarde simplement passer les nuages. C'est un endroit tellement tranquille. Tu as raison. C'est vraiment tranquille. J'aimerais rester avec toi, mais il faut que j'aille finir le labour. Tu peux revenir quand tu auras fini. Mais s'il te plaît, Tom, ne parle à personne de mon endroit secret. Promis? C'est promis. Pendant ce temps, Flore essaie de traire Maud. Mais elle est soudain interrompue par un bruit très fort. Maud n'aime pas du tout le bruit, surtout quand on la traie. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Max? Je répare le toit du poulailler. Oh! Ah! Est-ce que ça peut attendre un peu? J'étais en train de traire Maud. Ah,
Désolé, Flore, je pourrais peindre la porte de l'étable. C'est un travail tranquille et beaucoup moins dangereux. Je reviendrai finir plus tard. Merci, Max. Flore revient s'asseoir pour traire Maud, mais à peine a-t-elle commencé qu'elle entend un vacarme assourdissant. Doucement, s'il vous plaît. Ou bien vous trouvez quelque chose de moins bruyant à faire, ou bien vous allez jouer un peu plus loin. Je ne peux pas traire Maud dans ces conditions. Je vous ai trouvé, je vous ai trouvé. Chut, Greg. Oh, Flore nous demande de ne pas faire de bruit. Oh, désolé, Flore. La petite bande se demande bien quoi faire. À ce moment-là, Tom rentre des champs. Salut, Tom. Où est-ce que tu t'en vas? Nulle part. Allons, tu vas bien quelque part, Tom. Je n'ai pas le droit de te le dire. Est-ce que tu n'as pas le droit de dire? Eh bien, c'est-à-dire, Jules a découvert un endroit tranquille pour se reposer. Et il m'a fait promettre de n'en parler à personne. Allez, à tout à l'heure. Veux-tu arrêter de me suivre? Je ne te suis pas. Alors, as-tu découvert où il va? Non, il m'a demandé d'arrêter de le suivre. Je vais trouver où il s'en va, moi. À moi, il ne m'a pas demandé d'arrêter de le suivre, n'est-ce pas? Tom et Jules sont bien installés. Ils regardent tranquillement passer les nuages. Soudain, un lapin passe sous leur nez. Regarde, Jules, un lapin. Ne fais pas de bruit, Tom, ou bien il aura peur et il partira. Tom, tu avais promis de ne parler à personne de mon endroit secret. Mais Jules, je n'ai rien dit. Tom ne nous a rien dit, Jules. C'est nous qui l'avons trouvé tout seul. Chut! On ne devrait pas faire tant de bruit. Ici, c'est l'endroit tranquille de Jules, vous vous rappelez? Chut! Tu as raison, Filou. On a vu un lapin il y a un instant. Peut-être que si on reste tous silencieux, il reviendra nous voir. C'est d'accord? Oh, il ne se passe rien. On joue à cache-cache-klaxon. Allez, Jules peut jouer aussi. Ouais, allez, Tom, toi aussi. Mais Jules n'a pas du tout envie de jouer à cache-cache-klaxon. Il voudrait que son coin tranquille reste tranquille. Le lapin ne reviendra plus jamais avec tout ce bruit. Je te vois, Tom. Je t'ai attrapé. Où est passé Jules? Je ne sais pas. Il est sans doute caché. Oh, je vais aller le chercher. Tom a retrouvé Jules dans la grange. Je suis désolée, Jules. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Toi, au moins, tu ne faisais pas de bruit. Je suis embêtée quand même. Mais au moins, ce sera calme dans la cour puisque les autres jouent dans les champs. Ça va, Tom? Ça va. Oh... Le lendemain matin, Tom se fait encore du souci à propos de Jules. J'aimerais bien pouvoir réparer ma bêtise, tu sais, Flore. Et si tu aidais Jules à trouver un autre endroit paisible? Il y a beaucoup de coins tranquilles autour d'ici. Tom? Écoutez. Quoi? Moi, j'entends rien de spécial. Justement,
C'est l'endroit idéal pour se détendre. Dès qu'il a fini son travail, Tom revient chercher Jules dans la grange. Viens avec moi, Jules. J'ai une bonne surprise pour toi. Tu vois, Tom, d'habitude, je n'aime pas beaucoup les surprises. Tu vas aimer celle-là, tu vas voir. Où est passé Tom? On doit faire une partie de cache-cache-klaxon. Tom est allé au coin secret de Jules. Je les ai vus partir ensemble. Greg, Danny et Laura foncent retrouver Tom au fond du champ. Et Philou les accompagne. Mais Tom et Jules n'y sont pas. Tant pis pour eux. On peut jouer à cache-cache-klaxon sans eux. Ouais. Grâce à Tom, Jules a retrouvé un coin tranquille entre les arbres, près du ruisseau. Et cette fois-ci, je vais faire bien attention à ce que personne ne puisse me suivre. Merci, Tom. Oh, le lapin nous a suivis. Là-bas, c'est sans doute devenu trop bruyant pour lui aussi. C'est encore une journée bien chargée à la ferme du Pré-Charmant. Chacun a quelque chose à faire. Tom et Philou empilent des bottes de paille. Flore et Danny répandent de l'engrais sur le blé pour l'aider à pousser. J'aimerais bien savoir voler comme Danny. Retrouver. Elles vont bientôt atterrir. Oh bonjour Flore, bonjour Danny. On vous admirait pendant votre vol. Bonjour Tom, bonjour Philou. Et maintenant, je vais aller préparer ton bain, Danny. Je ne veux pas me laver. Chaque fois, je reçois du savon dans les yeux et ça pique. Qu'est-ce que tu as, Danny? Il y a quelque chose qui te tracasse? Oui. Flore veut que je prenne un bain. Mais où est le problème? Prendre un bain, c'est génial. Ah non, alors. S'il te plaît, Tom, dis-lui que je ne veux pas de bain. Dis-lui que je ne veux pas me laver. Tom, je t'en prie. D'accord, d'accord. Attends-moi, Tom. Greg, lui aussi, a du travail. Mais ça ne lui fait guère plaisir. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois transporter le fumier? C'est dégoûtant et ça sent mauvais. Et tu sais que j'ai horreur de ça. Allons, Greg, quelqu'un doit le faire. Ouais, mais pourquoi moi? Flore remplit une baignoire d'eau pour laver Danny. Coin-Coin et Cancan sont surexcités. Je sais que vous aimez l'eau, les canards, mais cette eau n'est pas pour vous. C'est pour le bain de Danny. Désolée, Flore. Danny m'a dit de te dire qu'elle ne veut pas prendre de bain. Elle dit qu'elle n'aime pas se laver. Mais c'est ridicule, Tom. Veux-tu aller lui dire de venir tout de suite? Tout le monde doit se laver pour rester propre. Tu vois, Max, tu as entendu ce qu'a dit Flore. Tout le monde doit rester propre. Je crois que je ne devrais pas transporter ce fumier. Flore ne parlait pas de toi, Greg. Allons nettoyer l'écurie sans faire tant d'histoires. Tom revient voir Danny. Il lui répète les mots de Flore. Il faut que tu viennes prendre ton bain, Danny. C'est obligé. Alors, il faudra m'attraper d'abord. Attends, Danny, reviens! Max vide le fumier de l'écurie.
Ouah, tu as raison, Greg. Ça sent vraiment très mauvais. C'est bien pour ça que je voulais que quelqu'un d'autre le fasse. Pourquoi pas Tom? Il ne m'a pas l'air très occupé en ce moment. Non, Greg, c'est ton travail à toi. Greg? Alors, Tom, te revoilà? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été prévenir Dani, mais elle s'est envolée. Elle dit qu'elle ne prendra pas son bain. Je vais t'aider à la retrouver, Tom. Elle ne doit pas être bien loin. Venez! Tom, elle est là-bas, avec Maud. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être une vache. Vous, au moins, vous n'êtes pas obligés de prendre des bains. Ah bon? Et le savon vous pique les yeux aussi? Dani! On ne peut pas s'arrêter là, Tom! On ne va pas la laisser s'en tirer si facilement! Allons-y! Attends, Greg! Qu'est-ce que je fais? Du fumier! Fou! Ça ne va pas être facile de l'attraper! Ne t'arrête pas, Tom! Elle ne peut pas s'enfuir très loin! Elle ne roule pas, elle! Elle vole! Attention, Greg! La clôture! Tu te sens bien, Greg? Dans la grange, Max s'apprête à partir à la poursuite de Greg. Le casque de Flore te va très bien, Max. Allons-y, dépêchons-nous, Laura. Greg doit faire son travail, que cela lui plaise ou non. Tom, Greg et Philou n'ont toujours pas attrapé Dani. Très maligne, mais elle n'est pas aussi maligne que moi. Attendez un peu, je vais l'attraper. Greg, mais ça ne va pas, il ne faut pas défoncer les clôtures. Si on ne roule pas à travers champs en cassant quelques clôtures, on ne l'attrapera jamais. Greg! Tu as un travail à faire, Greg. Oh, mais Max, je donne un coup de main à Tom. On doit rattraper Dani. Je t'ai dit que je ne veux pas transporter du fumier dégoûtant. Tu sais, Greg, parfois il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi aussi, je le fais. Oh, et Dani alors? Quand elle n'a pas envie de prendre son bain, elle n'a qu'à s'envoler. J'aimerais bien pouvoir en faire autant. Nous n'arriverons jamais à la rattraper. Dès qu'elle nous voit arriver, elle décolle immédiatement. Alors, la seule solution, c'est qu'elle ne nous voit pas arriver. Tout le monde sait que quand son phare s'allume, c'est que Tom vient d'avoir une idée. On s'approche de Dani en cachette. Surtout, ne lui dites pas qu'on est là. J'ai l'impression que...
Il faut qu'elle se pose très rapidement. Maud, attention! Dani! C'est l'heure de ton bain maintenant, Dani. Plus question de t'envoler. Non, je t'en supplie, pas le bain. Je ne veux pas avoir de savon dans les yeux, ça pique trop. Je ne veux pas me laver. N'aie pas peur, Dani. Flore fera attention. Écoute, Tom, Flore ne te mettra pas de savon dans les yeux. En fait, c'est très agréable, un bain. Max finit de charger le fumier sur la benne de Greg. Il va l'emporter ensuite chez le voisin pour ses rosiers. Tom a remorqué Dani jusqu'à la ferme pour qu'elle prenne son bain. Flore a fait très attention à ne pas mettre de savon dans les yeux de Dani. Et voilà! C'est fini? Oui. Tu es redevenue toute belle et toute propre. Je me sens beaucoup mieux. Finalement, ce n'est pas désagréable de se faire laver. Je te l'avais dit que tout irait bien. Et tu te sentiras encore mieux quand j'aurai rempli ton réservoir d'essence. Pouh, quelle odeur affreuse! C'est Greg qui vient de partir livrer le fumier. On devrait peut-être lui faire prendre un bain à son retour. D'après moi, il en a bien besoin. C'est Tracteur Tom, 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 Tom.